Voilà, de retour sur ces plateaux après la transition, c'est vrai. Là, nous prenons l'avion. Parlons d'agriculture en Côte d'Ivoire. La Corée du Sud soutient les projets à hauteur de 10 millions de dollars américains. La République de Corée a accordé un soutien financier à la Côte d'Ivoire à hauteur de 6,4 milliards de francs CFA, équivalent à 10,3 millions de dollars américains, afin d'améliorer la productivité risicole. Alors, l'accord a été paraffé la semaine dernière entre les deux gouvernements. Ces projets quinquennal a également pour objectif de promouvoir des technologies de production sémencière via la formation des professionnels sur la culture des semences du riz et les échanges d'informations sur les politiques agricoles des deux pays. Alors rappelons que la Côte d'Ivoire prévoit une production de 1,4 million de tonnes de riz blanchi en 2023. Alors quittons la Côte d'Ivoire pour parler cette fois-ci, allons-y au Maroc où l'indice de prix à la consommation en hausse de 4,9% en septembre 2023. Alors au Maroc, l'indice des prix, comme je le disais tantôt, à la consommation a connu au cours du mois de septembre une hausse de 4,9% comparé à la même période en 2022, tirée essentiellement par le prix des produits alimentaires, indique le Haut Commissariat au plan dans sa dernière note d'information. Alors cette variation résulte de la hausse de l'indice des produits alimentaires de 9,9% et de celui des produits non alimentaires de 1,3%. Alors les hausses des produits alimentaires observées entre août et septembre 2023 concernent principalement les légumes, les huiles et graisses bien sûr, les viandes et le lait, fromage et œufs, le café également. Alors pour les observateurs, si l'inflation progresse trop fortement, cela peut avoir des répercussions dommageables pour l'économie marocaine car les prix de biens et de services augmentent plus rapidement que le revenu. C'est pareil qu'à Kinshasa également, que le prix grimpe à tout moment qu'il y a inflation. Alors cela peut également avoir des répercussions dommageables pour l'économie du pays. C'est vrai que nous parlons du Maroc, mais aussi cela peut également avoir des répercussions dans l'économie, bien sûr, de la République démocratique du Congo. Alors revenons à Kinshasa cette fois-ci. C'est vrai que nous avons voyagé, c'était tellement rapide. J'ai voyagé sans passeport, j'ai pas de bagages également, j'ai pas de valise, j'ai pas de GoPass, on n'a pas payé. On a fait un aller-retour avec Eddie Goma. Alors nous sommes maintenant de retour à Kinshasa cette fois-ci. Nous allons prendre la publicité, la page publicitaire. Cela va nous permettre bien sûr de souffler un tout petit peu. Nous allons prendre le journal, nous allons à nouveau nous informer. Tu n'as pas eu le temps de suivre la rétrospective le soir à 20h d'hier. En tout cas, tu n'as pas eu le temps de le suivre. Alors je vous donne cette occasion bien sûr de suivre la rétrospective de la semaine passée bien sûr. Ça sera avec Grâce Luyanga. On se retrouve tout de suite. Ça sera à la deuxième partie de cette tranche, la matinée de l'écho. C'est parti en images.